Les mondes influencent beaucoup de gens. Beaucoup sont attirés par les mondes. Beaucoup regardent les mondes. Beaucoup copient les mondes. À des fois, nous copions les choses que nous voyons dans la télévision, sur l'internet, partout. Ça dit, vous allez voir quelqu'un qui est habillé, ça te plaît, tu dis, moi aussi je vais m'habiller comme cette personne. Vous voyez, cette personne est influencée. Vous avez quelqu'un qui chante bien, qui dit, ah bon, si je vais chanter comme lui. C'est ça l'influence. Mais je voudrais que ton influence soit une influence qui sera la bonne. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Le prophète dit, Abraham Lincoln disait toujours, j'ai béni ma mère. Parce que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ma mère. Ma mère m'a enseigné comment prier. Ma mère m'a montré les chemins de Dieu. Vous voyez, la maman d'Abraham Lincoln a influencé son fils. Son fils a été influencé par sa mère. Quelqu'un peut dire amen à cela. Donc les chemins que cette maman a montré à son fils, c'était un chemin de bonheur. Bien aimé, j'aimerais vous lire quelque chose où le prophète parle. Il dit dans la brochure l'influence d'un autre paragraphe 99. Il dit, je vais dire ceci. Tout de suite. Le sang de Jésus-Christ est entièrement suffisant. Voyez-vous? Christ n'est jamais mort pour ses séraphins. Non! Non! Mais ils sont des êtres créés. Il n'est pas mort pour les hommes. Il est mort pour le péché. Il n'est pas mort pour les saints. Christ n'est pas mort pour les saints. Malgré que lui-même était saint, mais il n'est pas mort pour les saints. Quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Il est mort pour les impies. Amen. Il dit, aussi longtemps que vous pensez que vous êtes saint, il ne peut pas faire de bien. Mais, quand vous réalisez que vous n'êtes rien, alors il est mort pour vous. Qui peut dire amen à ça? Quand vous réalisez que vous êtes péché, c'est à ce moment-là que Christ vient vous aider. Mais quand vous vous considérez déjà que vous êtes saint, le prophète dit, il n'est pas mort pour vous. Osias a commencé une vie. Quand il était roi, quand il a commencé son règne à l'âge de 16 ans, il craignait Dieu. Il marchait dans la crainte de Dieu. Il était fidèle à Dieu. Il obéissait à la parole. Mais arrivé à un certain moment, l'homme est devenu grand. La nature de l'homme, quand il n'a rien, il est attaché à Dieu. Quand il n'a pas le travail, il prie 4, 5 fois, 6 fois par jour. Mais laisser cet homme un jour recevoir quelque chose entre ses mains, s'il n'a pas le Saint-Esprit, il va commencer à relier la parole. Il va commencer à raisonner sur la parole. Quelqu'un peut dire amen à cela? Et comment dit, c'est ça la nature de l'homme. L'influence aujourd'hui de Christ doit être à jour dans nos vies. Christ doit nous influencer. La seule personne qui peut vous influencer, c'est Christ. Quand vous venez à l'église, ne soyez pas influencé par les hommes. Ne soyez pas influencé par je ne sais pas qui. Mais plutôt soyez influencés par la parole. Quand la parole vous influence, laissez-moi vous dire, ça sera parfait. On va lire quelque chose ici. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 5, au verset 13, jusqu'au verset 16. Il dit, vous êtes les saints de la terre, disons frère.
Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur. Si le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on? Et jamais. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors. Il ne sert qu'à jeter dehors. Et foulé aux pieds par les hommes. Et foulé aux pieds par les hommes. Les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Une ville située sur une montagne. Ne peut pas être cachée. Ah. Et on n'allume pas une lampe pour on la n'allume mettre, pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Sous le boisseau ou sous la table. Mais on la met sur le chandelier. On la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui bien sont. Bien aimé dans le Seigneur. Qui vous influence? Si c'est le monde qui vous influence, vous feriez tout ce que le monde aime. Si ce sont les hommes qui vous influencent, vous ferez tout ce que les hommes aiment. Si c'est votre ami païen qui vous influence, vous allez agir comme lui. Mais si c'est Christ qui vous influence, vous feriez comme Christ. Vous vivrez comme Christ. Vous allez faire des choses comme Christ. Le monde ne peut pas vous influencer. Ne soyez pas influencés par le monde. Et parmi ceci dans la brochure, toujours la même brochure, paragraphe 44-42, autant pour moi. Notre enseignement est juste. Dites les choses justes. Faites les choses justes. Pensez la chose juste. Pensez toujours juste. Amen. Qui peut dire amen à cela? Et parmi ceci, j'ai un petit slogan. Agissez juste, c'est votre devoir envers Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Est-ce que quelqu'un a compris? Il dit, agissez juste. C'est votre devoir envers qui? Dieu. Pensez juste. C'est votre devoir envers vous-même. Alors, vous êtes obligé de finir juste. Quand on agit juste, quand on pense juste, on finit juste. Tu peux dire amen. Amen. Proverbe dit, vous ne pouvez pas aller à l'est et à l'ouest en même temps. Non. Vous ne pouvez pas non plus faire juste et faux en même temps. Impossible. Peu importe combien vous pensez que vous allez dans l'autre direction, si vous ne voyez pas effectivement vers l'ouest, vous n'allez pas à l'est. Il vous serait mieux de choisir. Il vous serait mieux de faire le choix. Soit être influencé par la parole, soit être influencé par le monde. C'est ça. Le prophète dit, dites-moi ce que vous dites, ce que vous mangez. Dites-moi avec qui vous parlez. Montrez-moi avec qui vous marchez. Et je vous dirai qui vous êtes. C'est ça l'influence des nôtres. Ce sont les gens qui marchent avec vous qui déterminent qui réellement vous êtes. Ce sont les personnes que vous côtoyez qui déterminent quelle est votre vraie identité. Ce sont les livres que vous regardez, les livres que vous lisez, les photos que vous regardez, les pages que vous côtoyez. C'est cela qui détermine votre vraie identité. L'influence d'un autre. Qui vous influence? Le roi Ozias, pendant qu'il était influencé par les prophètes, tout marchait, tout prospérait, tout était parfait, tout était prospère. Mais quand il a commencé à être influencé par ses propres efforts, par le monde, les choses ont changé. Quelqu'un peut dire amen à cela. La Bible dit ceci dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Il dit, fait disparaître les vieux vins. Oui, disait frère, fait disparaître les vieux vins. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 6. Oui. Verset 7. Fais disparaître le vieux levain. Fais disparaître le vieux levain. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a
Christ, notre Père, a été immolé. Immolé. Continue. Célébrons donc la fête. Non pas avec du vieux levain. Non avec le avec un levain de malice et de méchanceté. Oui. Mais avec les pains sans levain. Avec les pains sans levain. De la pureté et de la vérité. De la pureté et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. De ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non. De ne pas avoir l'amitié avec les païens. Paul dit, au milieu des païens, je me suis comporté comme païen, et non pour rester païen, mais pour gagner les païens. Quand on est au milieu des païens, ce n'est pas pour rester païen, mais pour gagner les païens. Pour influencer les païens. Pour me donner le goût de Jésus à un païen. Mais quand vous êtes chrétien, et quand vous allez auprès des païens, quel est votre rapport? Qu'est-ce que vous apportez aux païens? Comment vous influencez les païens? Aujourd'hui, que les chrétiens influencent les païens, ce sont les païens qui influencent les chrétiens. C'est pas possible. C'est vous qui devez donner le goût de servir Dieu au monde. C'est vous qui devez donner le goût de Jésus à ces gens-là. Parce qu'ils n'ont jamais goûté Jésus. Mais vous, vous l'avez déjà goûté. Vous connaissez comment Jésus est tellement bon. Mais pourquoi vous ne les influencez pas? Pourquoi vous n'arrivez pas à influencer le monde? Pourquoi, à la place que le monde vient vers vous, mais c'est vous qui venez vers le monde? Vous, autrefois, qui étiez dans le ténèbre, vous êtes sortis dans le ténèbre et vous voulez encore retourner dans le ténèbre? Vous, autrefois, qui a confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous voilà maintenant. Retournez encore. Ramenez, c'est comme, n'est-ce pas, le cochon qui a mangé, qui s'est lavé, qui s'est bien nettoyé, mais après quelques secondes, il retourne dans ce qu'il avait déjà vomi. Il retourne dans la boue. Nous ne sommes pas les cochons. Nous sommes des enfants de Dieu. Ce sont les morts qui doivent nous rejoindre. Et nous rejoindre les morts. Qui vous influence? L'influence des bien-aimés dans le Seigneur. Remarquez, le monde multiplie toujours sa malice. Les enfants des Caïn, les géants, les intellectuels, ils multiplient les malices. Ils séduisent les enfants de Dieu avec des multiples applications. Ils créent des choses pour vouloir vous séduire. La Bible dit quand le péché va atteindre son comble, quand le péché va arriver au point où tu dors avec le péché, ton propre téléphone, tu achètes avec ton argent. Et ton propre téléphone, n'est-ce pas, te fait pécher. Tu achètes quelque chose pour te servir, mais la chose-là devient un enjeu pour t'amener dans le péché. Les téléphones d'influence, les réseaux sociaux d'influence, les chants du monde d'influence, les cours du monde d'influence. L'influence. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est claire. Dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. Lisons. 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14. La Bible dit quoi? Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Sous un joug étranger. Sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre, entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de commun entre la lumière et les ténèbres. La lumière reste la lumière. Parce que la lumière vit au commencement. La lumière, c'est Dieu. La lumière, c'est l'élogos. La lumière, c'est la puissance de Dieu. On ne peut pas contester la lumière. La seule personne, oh Jésus, quand il est mort, la lumière a refusé de donner. C'était Jésus lui-même. C'était Dieu lui-même.
Josué avait le Saint-Esprit, c'est pourquoi il avait arrêté le soleil. Parce qu'il a été influencé par Moïse. Moïse avait Dieu. Mais qui vous influence aujourd'hui? C'est le monde? Ce sont les coutumes? Ce sont les mandats? Vous êtes chrétien? On vous appelle? Non, écoute, ta situation là, il faut qu'on parle voir quelqu'un. Il y a un mandat quelque part, il y a une dame. Ce n'est pas vraiment le gangaïsme, mais il fait le bien. Toi, une fille de Dieu, sans discernement, sans sagesse, sans discernement, tu vas aussi voir la dame. Et elle va te convaincre que moi, je ne suis pas un ganga. Elle te fait sortir une photo de Marie. Toi, tu te dis, oui, c'est les choses de Dieu. Elle commence à te laver et toi, tu es là, sans discernement. L'influence d'un autre, tu as été influencé. Avec de telles choses, Dieu ne peut pas te soutenir. Dieu ne peut pas te soutenir. Et l'enfant de Dieu, face à ce genre de choses, ils l'ont pris dans une position. Ils l'ont pris dans une position. Je ne peux pas être séduit par ces choses. Je ne peux pas être influencé par ces choses. Tu penses pas dans la base, c'est là où tu vas faire souffrir, mettre fin à ta souffrance. Jamais. Chacun son épreuve. Je sais quand est-ce qu'il va te venir. Même si tu fréquentes mille gangas. Si ce n'est pas ton temps, ça ne va pas arriver. Quelqu'un peut dire amen à ça. Les prophètes a influencé le roi. Bien-aimé dans le Seigneur. Arrivé à un certain moment, quand le roi est devenu populaire, quand il a eu de l'argent, quand il a eu le succès, et tout le monde était d'accord avec lui, il a fait tellement de bonnes choses, il a oublié la personne qu'il avait influencée. Il a oublié la personne qu'il avait aidée. Il a oublié Dieu. Il a cru qu'il pouvait tout faire. Dans Deutéronome chapitre 26 au verset 16. Regardez ce que le roi a fait. Disons. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le Père. Il pécha contre l'Éternel. Son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel. Pour brûler des parfums sur le. Sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux qui s'opposaient au roi Ozias et lui dirent: tu n'as pas le droit, Ozias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Tu n'as pas le droit. Le travail d'Ozias n'était pas le travail de sacrificature. Son travail était au trône. Il devait s'occuper le jour du trône. Pas les choses de sacrificatif. On a dit non, ça c'est pas ton travail. Ça dit comme il était tellement puissant. Il dit non, je peux tout faire. Le prophète dit, Dieu a partagé. À chaque corps de Christ, une portion. Dieu nous a donné nous tous. Chacun a sa part. Ne faites pas ce qui n'est pas votre. Ce qui n'est pas pour vous, ne le faites pas. Si vous n'êtes pas diable, ne faites pas ce que le diable fait. Si vous n'êtes pas juissier, ne faites pas ce que les juissiers font. Si vous n'êtes pas pasteur, ne faites pas ce que les pasteurs font. Si vous n'êtes pas vase, ne faites pas ce que vase fait. Si vous n'êtes pas chantre, ne faites pas ce que le chantre fait. Gardez votre place. Si vous n'êtes pas administrateur, ne faites pas ça. Vous risquerez d'être comme Ozias. Il a fait ce qui n'était pas son devoir. Oh, merci Seigneur. La Bible dit, quand Josué a partagé l'héritage, il a donné à chacun sa part. Il a donné les vite. Qui ne
n'ont pas reçu ça, leur part. Parce que les Lévites, eux, ils étaient, n'est-ce pas, des sacrificateurs. Et les sacrificateurs, lui, il reste au temple. Il prie pour le peuple. Il se consacre pour le peuple. C'est le peuple qui travaille. Mais cet homme a fait le travail qui n'était pas pour lui. Il a fait ce qui n'était pas son droit. Il est allé au-delà. Il a cru que tout lui était permis. Non! Ce qui n'est pas pour vous, ne le faites pas. Ce que Dieu ne vous a pas dit de faire, ne le faites pas. Il était puissant. Il a cru qu'il pouvait tout faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, le message de William Adam Branham doit nous influencer. Ce message est la pire vérité. Si jusqu'aujourd'hui vous doutez de ce message, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en vous. Le message, c'est la lumière du temps du soir. Le message, c'est la lumière du commencement. La lumière a commencé à l'éternité. Et cette même lumière est apparue au temps de la fin. Ce n'est pas la lumière que le soleil va donner, mais c'est la lumière de la parole. Cette lumière n'éclaire pas l'humanité, mais cette lumière éclaire des individus. Ça t'éclaire toi. Ça te montre le chemin. Ça brille en toi. Il y a quelque chose qui s'installe en toi. Bienvenue dans le Seigneur. C'est quoi réellement le message de Malachie 4? Le message de Malachie 4, c'est la restauration. L'épouse qui retrouve son chemin. Oh, merci Seigneur. Le message de Malachie 4 nous amène, nous donne notre identité. Chaque enfant de Dieu a une identité. Mais quand nous sommes venus sur la terre, chacun de nous a perdu son identité. Et en croyant ce message, nous sommes à la recherche de nos identités. L'identité de cette terre ne peut jamais vous amener au ciel. Avant d'aller au ciel, vous devez avoir une autre identité qui est celle de Christ. C'est pourquoi le but de ce message, c'est de nous donner cette identité. Ta famille ne peut pas te donner. Tes parents ne peuvent pas te donner. Alléluia. Une église dénominationnelle ne peut pas vous donner. Là où tu étais, j'avais un cadeau. Tu ne peux pas les recevoir. Mais quand tu prends le message, c'est la restauration. Je restaurerai, je remplacerai les années que les gazames, les gélettes ont dévoré. Les années que tu as perdues dans le monde, les années que tu trouvais dans le bar, les années que tu trouvais chez les gamins, les années que tu perdais ton argent dans des choses qui n'est pas utile, ces années-là seront restaurées. Et la restauration ne vient pas s'il n'y a pas un prophète. C'est le prophète qui vient avec la restauration. Et la vraie restauration, c'est la parole. C'est pourquoi Malachie 4 est venu avec la parole de notre temps. Pas la parole passée, mais la parole du présent. Pour restaurer l'église, l'église doit être restaurée. Et quand on parle de l'église, on vous voit, vous. Vous avez besoin d'une restauration. Ramenez la foi des enfants, des pères à leurs enfants. Nos pères sont les apôtres. Quelle a été la vie des apôtres? Nos pères, c'est Adam et Ève. Ils étaient immortels avant la chute. Gloire à Dieu. Adam ne pouvait pas mourir parce qu'il était Dieu. Ève ne pouvait pas mourir parce qu'elle était Dieu. Mais quand la chute est venue, la mort est entrée. Il faut la restauration. Il faut que quelqu'un ait la vie éternelle pour restaurer l'église. Cette personne, c'est Jésus. Il est venu avec son propre sang. Il est venu avec la parole. Il est venu avec l'épée. Il est venu avec le Saint-Esprit pour restaurer l'église. Il a versé son sang. Il est mort à la croix. Il est ressuscité. Et l'église a retrouvé la vie. Quelqu'un peut dire amen. C'est ça. C'est pourquoi ce message, quand ça retrouve quelqu'un qui a la semence, ça apporte les choses.
déjà parlé et la chose arrive. C'est ça le but du message. C'est ça l'influence du message. C'est ça la vie du message. C'est ce dont nous avons besoin. Les gens ne retournent pas dans la foi, c'est parce qu'ils sont hypocrites. Au lieu de former des chrétiens, nous avons formé les hypocrites. On a, oh Jésus, merci Seigneur. Au lieu de prêcher la parole, on a prêché nos pensées. Quand vous prêchez votre pensée, les gens deviennent des hypocrites. Les gens deviennent des religieux. On n'a pas besoin de religieux. On a besoin des chrétiens. Authentiques, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, vivant la parole, aimant Jésus. Vous voulez la main? Est-ce qu'il y a les aigles ici? Est-ce qu'il y a les aigles ici? Est-ce qu'il y a des gens qui sont influencés? Qui t'influence, frère? Le monde ne peut plus m'influencer parce que je suis vacciné. Oh, merci Jésus. Aujourd'hui, le monde est troublé. Ils cherchent les vaccins. Hein? Ils cherchent les vaccins pour le Covid. Mais où est le vaccin pour Jésus? Toi, tu as eu la grâce. Il y avait un laboratoire du monde qui s'est réuni pour trouver le vaccin des chrétiens. Jésus avait déjà vacciné chacun de nous par le sang de Jésus. Alléluia! Le vaccin que nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans la vie. J'ai béni les scientifiques qui sont sages, qui sont intelligents, qui trouvent les vaccins pour nous, on dirait gloire à Dieu. Mais nous, on s'arrête pas là. On va aller plus loin. En dehors du vaccin de Covid, on a aussi besoin d'un vaccin qui éloigne le péché. Parce que c'est le péché qui crée la maladie. C'est le péché qui crée la mort. C'est le péché qui amène des troubles dans le monde. Si les gens sont vaccinés par le Saint-Esprit, alléluia! Le Saint-Esprit amène la paix. Le Saint-Esprit amène l'amour. Le Saint-Esprit donne la vie. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'ai suivi avec lui un jour. On m'a dit, il y a un laboratoire Pfizer, je crois que c'est aux États-Unis ou en Angleterre quelque chose. Ils ont trouvé les vaccins. J'ai dit, c'est bien. Ça, c'est la chose que le monde a besoin. Mais le monde ne doit pas s'arrêter seulement là. Cherchons aussi un autre vaccin. Le vaccin du Saint-Esprit. C'est ce vaccin-là. Le corps a besoin de ce vaccin. Nous avons besoin de vaccins pour le Covid. C'est bien. Mais ça va traiter le corps. Mais l'âme a besoin aussi de vaccins. Parce que le corps n'a pas seulement, hein, n'est-ce pas, le corps. Le corps a l'âme. Il y a l'esprit. Tu peux dire amen à ça. L'âme a besoin de se nourrir du Saint-Esprit. L'âme a besoin de la parole. Pose la question à ton voisin. Qui t'influence? Qui t'influence? Si c'est le monde qui t'influence, tu dois agir comme le monde. Si c'est ta femme qui t'influence, tu feras tout ce que ta femme te demande. Si ta femme te dit, ne pars pas à l'église, tu diras, ok, chérie, je vais. Ton mari te dit, ne pars pas à l'église, ok. Ne pars plus dans cette église, ok. Parce qu'elle t'a influencé, t'a influencé. Mais si c'est le Christ, tu écouteras que Christ. Et t'as pas dit la main. Si c'est le monde, si c'est les gens d'achat, c'est comme ça qu'on les appelle. Tu dois t'habiller comme eux. Tu dois te maquiller comme eux. Si c'est les filles des Indiens, mauvais qui t'influencent, tu feras tout ce qu'ils font. Mais si c'est Jésus, si c'est la parole, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu.
confiance. Mais si c'est Christ, tu diras jamais. Moi, je ne suis pas l'église à cause du pasteur. Je ne suis pas l'église à cause du diable. Je ne suis pas l'église à cause du frère Salafat. Mais je suis à l'église à cause de la parole. De la parole. Et je vais entendre quelqu'un dire la main. Nous ne venons pas ici chercher les hommes. Nous ne venons pas ici chercher la gloire. Nous venons ici pour Dieu. C'est Dieu qui nous a appelés ici. C'est Dieu qui t'a appelé ici. Ce n'est pas les pasteurs. Les pasteurs ne peuvent un jour ne pas être là. Mais ton problème, c'est de s'attacher à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph. Sa vie doit nous influencer. Il a été rejeté par ses frères. Mais il a toujours aimé ses frères. Quand il a vu Benjamin pour la première fois, quand il a vu ses frères Juda qui l'avait vendu, il n'a pas hérité contre lui. Il a manifesté l'amour. Il n'a pas dit que c'est vous qui m'avez fait du mal. C'est vous qui m'avez trahi. C'est vous qui m'avez vendu. C'est vous qui voulez me tuer. Non, il n'a pas dit ça. Il a péré. Parce qu'il avait suffisamment de l'amour envers ses frères. Malgré les actes qu'il avait posés, il a dit, je vous pardonne. La Bible dit, il a pris même sa femme. Il a amené plus loin, en haut là-bas, pour s'entretenir avec ses frères. L'amour de la parole nous amène à des fois à aimer même les personnes les plus criées. L'enfant de Dieu n'est pas déjà action-réaction. Un enfant de Dieu, il prend du temps avant de réagir. Quelqu'un peut dire la main. Qui t'influence? Ton travail t'influence? Si c'est ton travail qui t'influence, tu donneras tout ton temps à ton travail. Moins de temps à Dieu. Parce que tu es influencé par ton travail. Mais si c'est Dieu qui t'influence, tu chercheras toujours à être dans sa présence. Amen. Et faire sa volonté. Amen. Je sais qu'en faisant la volonté de Dieu, c'est là où le miracle commence dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse sur le chemin. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Mettez-vous debout, s'il vous plaît.